Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage astro pour le mois de février 2022. Avant de commencer, je tenais à vous remercier tous et toutes, de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner et ainsi qu'à penser à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes futures publications. Et merci également pour tous vos likes, pour vos commentaires, voilà, qui motivent à continuer et à poursuivre mois après mois ces tirages astro. C'est parti, allons regarder ce que ce mois de février nous réserve. Alors, ami Bélier, que vous réserve ce mois de février? On va aller regarder tout cela ensemble. Donc, vous avez la carte de l'accomplissement, de la cigogne, des âmes sœurs, se dorloter et Om Shanti, bénédiction de paix. Alors, cette carte de la bénédiction vous dit « Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers laquelle tout apparaît comme infini. » Couplé à cette carte de l'accomplissement et de se dorloter, vous allez avoir besoin, sur ce mois de février, de vous positionner en vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre monde intérieur, de rester concentré sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce qui vous anime intérieurement. Avec la carte âme sœur, vous avez besoin de vous reconnaître, vous avez besoin peut-être de reprendre une posture, une position intérieure par rapport à ce que votre âme souhaite. Avec cette bénédiction de paix, on vous dit bien « Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme ». Donc ça va passer par ce côté intérieur, ce côté peut-être émotionnel aussi, à aller explorer, à aller chercher, peut-être vous reconnecter davantage à votre âme, à votre source, pour pouvoir aller justement reconnaître et accueillir les nouveautés qui arrivent. Il y a vraiment cette carte de l'accomplissement qui vous dit que vous arrivez à toucher du bout des doigts vos rêves, et même si ce n'est pas encore dans la matière, au niveau vibratoire en tout cas c'est là et vous pouvez le pressentir dans votre corps, dans votre être. Cependant, vous avez vraiment besoin de vous poser par moment, besoin de vous recentrer, besoin de vous reconnecter à vous, de croire en vous, de croire en ce que votre âme vous communique, en ce que votre cœur vous communique. Donc je pense que ce mois de février pour vous va être intéressant au niveau de votre développement personnel et peut-être au niveau de la mise en place des rêves et de ce que vous souhaitez vraiment avoir dans la vie, ce que vous souhaitez vraiment voir dans votre quotidien, ce que vous souhaitez voir se développer vraiment à l'intérieur de vous et à l'extérieur par la même occasion. N'oubliez pas que vous êtes relié à toutes ces énergies, à toute cette planète, à tout ce cosmos. Vous faites partie de ce tout et en faisant partie de ce tout et en vous reliant à cela, vous allez pouvoir retrouver peut-être une communication intérieure, une union intérieure avec vous-même. Et on vous parle de résultats positifs. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de venir jusqu'à vous. On vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors peut-être que vous étiez inquiet, préoccupé, insatisfait. Eh bien là, ce mois de février va vous permettre peut-être de commencer à voir davantage la lumière que l'obscurité. Et en ça, c'est vraiment très très intéressant pour vous, pour votre progression, sachant que voilà, le mois de février va vous amener progressivement à votre mois de naissance, donc vers le mois de mars, et effectivement ça va vous permettre peut-être de briller davantage sur le mois d'après. Donc là il y a vraiment quelque chose, on vous invite vraiment à vous relier à vous, à vous relier à votre source pour pouvoir prendre soin de vous, vous régénérer et pour pouvoir voilà commencer à vous ouvrir, à vous épanouir davantage sur ce mois de février, ami Bélier. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Peut-être que lorsque vous allez visionner cette vidéo, ça va pas forcément faire écho, mais peut-être que voilà, dans les jours, dans le courant du mois de février, il y a peut-être des choses qui vont se manifester et vous allez peut-être davantage comprendre le sens. Gardez bien entendu votre objectivité par rapport à tout ce que j'ai pu vous transmettre. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de février, ami Bélier. Prenez soin de vous et je vous retrouverai vers la fin du mois de février pour vos énergies du mois de mars. À bientôt, bye bye.